Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette agora de l'exposition Esprit Critique Détrompez-vous du Quai des Savoirs et sur YouTube puisqu'il y a pas mal de monde en live. Alors aujourd'hui on a le plaisir de vous présenter Audrey Dussutour en collaboration avec le CNRS pour une rencontre inédite. Alors Audrey, on ne la présente plus, alors sur le site internet, partout sur internet, vous la trouvez sous l'étiquette de blobologue, peut-être un nouveau mot qui va arriver dans le dictionnaire prochainement. C'est aussi et avant tout une directrice de recherche du CNRS dans le laboratoire du Centre de recherche sur la cognition animale de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. C'est également l'autrice du livre « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander » paru en 2019 chez J'ai lu, entre autres. Alors, ce rendez-vous, il s'inscrit dans la programmation culturelle de l'exposition Esprit critique, détrompez-vous, avec l'idée de mettre à l'honneur notamment la démarche scientifique dans le contexte que nous connaissons actuellement, donc ce contexte de la surinformation, de la circulation extrêmement rapide des informations plus ou moins vérifiées, souvent moins, et puis du contexte sanitaire que nous connaissons tous en ce moment. Alors, je ne vais pas être plus longue, je vais laisser la parole à Audrey, qui va donc vous proposer une intervention toute neuve, toute fraîche. À la fin de cette intervention, on aura un temps de questions-réponses donc pour les personnes de la salle, mais également pour les personnes en ligne, donc toutes les personnes sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau sur le chat. Nous essaierons de les relayer dans la mesure du possible. À tout à l'heure. Merci beaucoup Marina, merci à toutes et à tous d'être ici aujourd'hui. Je vois que le blob attire toujours un peu plus de personnes, c'est super pour nous, pour la recherche. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler de ce projet Derrière le blob, la recherche, qui est un projet proposé par le CNRS. Donc l'objectif de ce projet c'est d'observer les effets du réchauffement climatique sur le blob. Donc la première question qu'on peut poser c'est pourquoi ? Ben, ce projet il a deux missions. Tout d'abord, vous sensibiliser au réchauffement climatique et deuxièmement, de vous initier à la démarche scientifique. Donc, le réchauffement climatique, en quelques chiffres, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, en 80 ans, la température moyenne sur la surface de la Terre a augmenté de 1,2 degrés. Les prédictions à 80 ans, c'est plus de degrés pour les plus optimistes. Et clairement, il n'y a que 5% de chances qu'on y arrive. Et 8 degrés, pour les plus pessimistes. Il faut savoir qu'avec, si on atteint plus de degrés, 5% des espèces d'êtres vivants seront en voie d'extinction, ce qui représente 400 000 espèces. Si on a un plus 4 degrés, c'est 16% des espèces qui seront en voie d'extinction. C'est une espèce sur 8. Ça représente plus d'1 300 000 espèces. Quand on vous parle de réchauffement climatique, souvent, on vous parle d'animaux. On vous parle, par exemple, des phoques, des papillons monarques qui ont du mal à migrer aux États-Unis. On vous parle des pingouins d'Adélie. Et pourtant, nous, aujourd'hui, on vous propose d'étudier les effets du réchauffement climatique sur cet organisme. Le blob. Mais le blob, c'est quoi ? Donc, je vais passer la moitié de ma conférence à essayer de vous expliquer qu'est-ce que le blob. Le blob, il a été célèbre, pas parce qu'il est parti avec Thomas Pesquet à bord de l'ISS, mais en 1970, parce que des gens ont cru qu'il venait en réalité de l'espace. Donc cette histoire qui est reportée dans le Washington Post raconte l'histoire d'une dame qui s'appelle Mary Harris, qui trouve dans son jardin un organisme tout à fait étrange. Elle ne sait pas ce que c'est au départ. Elle le trouve absolument dégoûtant. Elle prend un râteau et elle l'éclate dans son jardin. Le lendemain, elle revient exactement au même endroit, la chose est revenue et elle fait la taille d'une assiette. Donc elle va dans son garage, elle se dit « je vais franchement prendre des choses beaucoup plus extrêmes ». Elle va prendre des insecticides et elle pulvérise la chose avec des insecticides. La chose change de couleur, devient un petit peu violette.
Mais le lendemain, elle revient, elle fait 1 mètre carré. Donc là, elle prend peur et elle fait ce que tout le monde fait quand on a un petit peu peur et qu'on a un organisme bizarre chez soi. Elle appelle les pompiers. Les pompiers viennent, constatent la chose. Ils ne savent pas trop quoi faire au départ. Ils prennent leur lance à incendie et ils la pulvérisent dans le jardin. Donc là, Marie, elle est rassurée. Elle se dit, bon, mais ça va. Le lendemain, elle revient. La chose est toujours là. Elle fait 2 mètres carrés. Donc là, on est au Texas. C'est dans les années 70. Donc elle ne sait pas trop quoi faire. Elle appelle le shérif. Alors le shérif, pour être honnête, il arrive, il constate, il ne sait pas lui non plus quoi faire, mais il sort son colt et il tire sur le blob. Mais le blob, finalement, le lendemain, fait 4 mètres carrés. Et puis, soudainement, Marie commence à tomber dans la dépression. Elle se dit, finalement, je vais devoir déménager parce que cette chose est clairement en train d'envahir mon jardin. Et pourtant, soudainement, en une nuit, la chose disparaît complètement. Et donc, elle a appelé un journaliste qui a reporté dans un journal, dans le Washington Post, cette aventure et qui a conclu, la seule conclusion possible, elle avait été visitée par un alien. Alors, pourquoi cette hypothèse? Il faut dire qu'en 1958, bien avant cette histoire, sort un film, Le Blob, Danger planétaire en français. C'est un film avec Steve McQueen qui raconte l'arrivée d'un extraterrestre qui fait que grandir et grandir à mesure qu'il mange des humains. Et c'est pour ça que nous, en référence à ce film, on a appelé cet organisme le Blob. Alors je dis en référence et pas en hommage, parce que clairement c'est le plus mauvais film de Steve McQueen. Mais qu'est-ce que le Blob? Qu'est-ce que c'est que cet organisme qui rampe dans nos bois et dans nos forêts? Alors pour comprendre ce qu'est le Blob, il faut savoir que les scientifiques se sont posés cette question pendant plus de 300 ans. Les premiers scientifiques ont dit « c'est une fleur ». Plus tard, d'autres scientifiques ont dit « bah non, c'est un champignon ». Puis d'autres scientifiques ont dit « non, c'est un croisement entre un champignon et un animal ». Et c'est en 1990 qu'on a su classer correctement le blob. Donc c'est très récent, hein, ça fait à peine 30 ans. Pour comprendre ce qu'il est, on va remonter dans le temps. Il y a 3,8 milliards d'années, apparaît la vie sur Terre, sous forme de bactéries. Alors les bactéries, ce sont des organismes unicellulaires, donc composés d'une seule cellule, qui font à peine 10 microns et qui sont extrêmement simplifiées. Les bactéries qu'il y avait il y a 3,8 milliards d'années sont à peu près celles qu'on trouve maintenant. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a 2 milliards d'années, se produit un événement qui a été mis en évidence par une scientifique, Lynn Margulies, où en fait les bactéries, elles étaient toutes seules pendant 2 milliards d'années. Et donc, elles consommaient bien sûr de la nourriture. Et souvent, la nourriture, c'était d'autres bactéries. Et un jour, il y a une bactérie qui finalement est restée vivante à l'intérieur d'une autre bactérie. Ça a formé un système de symbiose. On appelle ça de l'endosymbiose. Et du coup, ça a donné naissance à une cellule bien plus compliquée qu'une bactérie. Et cette cellule compliquée, qu'on appelle en fait une cellule eucaryote, a donné naissance finalement à tous les organismes qui sont sur cette planète, mis à part les bactéries, bien sûr, et d'autres organismes qu'on appelle les archées, qui sont des bactéries, un petit peu comme des bactéries qui vivent en milieu extrême. Donc tous les organismes vivants, les plantes, les champignons, etc., sont composés de ces cellules complexes. Alors nous, les scientifiques, on aime bien ranger les choses. Et donc tous ces organismes, on les a rangés. Alors à l'école, on vous a sûrement parlé du règne des champignons, du règne des animaux, du règne des plantes. Mais si vous regardez bien, vous avez des règnes dont on ne vous a jamais parlé. Les straménopiles, les alvéolés, tous ces noms barbares. Or, tout cela, ce sont des organismes composés d'une seule cellule. Et il y en a un qui nous intéresse tout particulièrement, les amibozoaires. Et si on remonte l'arbre ici, l'arbre dans le temps, on voit que l'amibozoaire, il croise notre ligne. Nous, on est cousins des champignons. Je sais, c'est difficile à croire qu'on a des liens de parenté avec un cèpe, mais si, si. Et si on remonte dans le temps, on a des lointains cousins qui s'appellent les amibozoaires. Et c'est là qu'on va retrouver le blob, en réalité. Alors, pour mieux comprendre, on va se classer nous-mêmes. Avant de classer le blob, vous comprendrez. Nous, on fait partie du règne animal. Le règne animal, c'est plus de 8 millions d'espèces. Et dans ce règne animal, on fait partie d'une classe qu'on appelle les mammifères. Les mammifères, c'est à peu près 6000 espèces. Donc vous voyez que c'est très varié, les mammifères. Il y en a des tout petits, il y en a des très grands. Et chez les animaux, vous voyez, on part de coraux, on va jusqu'aux mammifères. Et on a ensuite, au sein de cette classe des mammifères, tous les animaux ont un nom latin. Et nous, notre nom, vous le savez, c'est Homo
sapiens. Alors avant, c'était Homo sapiens sapiens. On a perdu un sapiens au passage. On se demande pourquoi. Peut-être on va en perdre un autre aussi bientôt. Donc voilà, on s'appelle Homo sapiens. Donc règne des animaux, classe des mammifères, espèce Homo sapiens. Alors voyons pour le blob maintenant. Le blob, c'est le règne des amibozoaires. Les amibozoaires, ce sont des organismes composés d'une seule cellule et qui peuvent former des excroissances, qu'on appelle des pseudopodes. Et dans ce règne des amibozoaires, on trouve une classe qu'on appelle les myxomycètes. Et c'est là qu'on va retrouver notre blob. Les myxomycètes, en fait, ils sont une grande variété. Ce sont des organismes composés d'une seule cellule, mais bien visibles à l'œil nu. Et vous pouvez voir, ça peut prendre n'importe quelle couleur et n'importe quelle forme. L'espèce sur laquelle on travaille au laboratoire, c'est Physarum polycéphalum. Alors, les gens avaient du mal à le retenir et donc on l'a surnommé le blob. Alors, si on place le blob dans le temps, il faut savoir que les tout premiers myxomycètes, les tout premières évidences de myxomycètes, ça date de 1 milliard d'années environ. Donc, c'était bien avant les champignons complexes, bien avant les tout premiers animaux, les éponges, bien avant, bien sûr, les dinosaures et bien avant l'humain. Donc, c'était des organismes qui, vraiment, ont une très longue histoire évolutive. Alors, où trouve-t-on le blob actuellement ? Ben, il faut se balader en forêt. Donc, si vous allez à la forêt de Boucone, par exemple, vous pouvez en trouver. Le blob se cache toujours dans la litière des feuilles, dans des endroits humides et sombres, parce que le blob déteste le soleil. Donc, la plupart du temps, il aime bien se déplacer sur le bois en décomposition. C'est là qu'il va se régaler, vous allez le voir même dans les feuilles, souvent après la pluie. Donc, au printemps, c'est vraiment la période idéale pour aller chasser le blob. Parfois, on le trouve sur des endroits un petit peu plus incongrus. Alors ça, c'est des photos qu'on m'envoie. Donc là, c'est une jardinière de plantes. Ici, c'est une poubelle à compost. Ici, c'est une barrique de vin. Alors celui-là, c'est mon préféré. C'est dans une salle de bain. Clairement, la personne avait un petit problème d'humidité. Ici, c'est près de la gamelle du chien. Ici, c'est sur une terrasse. Et ici, c'est à la beige, donc pas très loin, juste devant le parvis d'une porte. Donc on peut vraiment trouver des blobs un petit peu partout. Alors, comment ça commence? Souvent, on me demande comment commence la vie d'un blob. Ben, la vie d'un blob, elle commence par une petite spore. Et cette petite spore, quand elle se trouve dans un milieu humide, elle va germer et donner naissance à ce qu'on appelle une petite amibe. Cette petite amibe, au bout d'un moment, elle va avoir une flagelle et elle va chercher une amibe du sexe opposé. Alors, c'est pratique, chez le blob, il y a 720 types sexuels. Donc, elle n'aurait pas de bol de tomber sur une amibe du même type sexuel. Et elle va fusionner pour former une peu plus grosse amibe. Et cette petite amibe va se déplacer dans l'environnement et elle va commencer à manger. Alors ce qu'elle mange, vous voyez, c'est ces petits bâtonnets noirs, ce sont des bactéries. Donc cette amibe mange des bactéries, puis elle grossit, et au bout d'un moment, elle est visible à l'œil nu. Et là, on n'appelle plus ça une amibe, mais on appelle ça un plasmode. Et donc, cet organisme va grandir, 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 jusqu'à arriver à maturité. Et à maturité, il va former ce qu'on appelle des sporanges qui vont renfermer à l'intérieur les petites spores. Donc un blob va donner des millions et des millions de descendants à chaque fois qu'il va se reproduire. Donc si on fait une petite comparaison avec nous, l'être humain, c'est 100 000 milliards de cellules, 21 000 gènes environ et 23 paires de chromosomes dans chaque cellule. Le blob, c'est une seule cellule, 34 000 gènes et on ne sait pas tout à fait le nombre de chromosomes entre 40 et 50. Alors nous, au départ, on est aussi l'issue d'un œuf qui était une seule cellule. Et comment on devient un organisme de 100 000 milliards de cellules ? Ben, la première cellule se divise, et vous voyez ici l'ADN, l'information génétique, se divise à chaque fois, se réplique et se divise. Et c'est comme ça qu'on est devenu un organisme avec 100 000 milliards de cellules. Alors le blob, lui, ben, c'est un tout petit peu pareil, mais il ne finit pas. En fait, son information génétique se duplique, mais tout reste dans la même cellule. Donc on a une cellule qui grandit, mais on n'a toujours qu'une cellule finalement. Et si on regarde un blob au microscope, on va voir qu'à l'intérieur, vous voyez ces petites boules blanches, en fait, c'est ces noyaux qui renferment l'ADN. Et il y en a plein. Dans un blob de 10 cm carrés, vous avez plusieurs millions de noyaux. Donc c'est une cellule qui triche un peu. Et c'est une cellule qui, du coup, peut atteindre des tailles gigantesques. La plus grande est enregistrée au Guinness des records en 1989. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Alors, elle a une forme de W. C'est parce que c'était un cadeau de départ à la retraite pour un professeur qui partait et qui avait travaillé sur les myxomycètes pendant toute sa vie. Et ses collègues lui ont fait une blague. Ils lui ont créé un blob géant.
Et donc, vous le voyez ici, donc 10 mètres carrés. Et du coup, ils ont appelé un expert pour authentifier le record. Alors, donc cette cellule, ce blob, dans la nature, il ne fait pas qu'être là, sur place, il se déplace. Alors, je vous rassure tout de suite, il ne partira pas vous ramper après en forêt. Il fait quelques centimètres à l'heure, mais vraiment plutôt c'est plutôt de l'ordre du millimètre quand même. Les centimètres, c'est quand il est vraiment très affamé. Et donc, il va se déplacer comme ça sur le bois en décomposition. Et si vous regardez précisément ce blob, vous allez voir qu'il a une espèce de réseau veineux. Vous voyez ces espèces de traits là? Donc, si on zoome un petit peu, vous allez voir en réalité que la cellule est parcourue par un réseau, comme un réseau vasculaire, un petit peu comme notre réseau sanguin. Et si vous regardez ces veines, vous voyez qu'elles bougent. Elles se contractent. Regardons encore un peu plus près. Si on regarde encore un peu plus près, on voit qu'à l'intérieur de ces veines coule un liquide. Alors, ce n'est pas du sang, comme chez nous, ça s'appelle du cytoplasme, mais c'est un petit peu la même fonction, puisque ce liquide, en fait, c'est un moyen de transport pour les nutriments, pour l'oxygène, pour les gaz. Et donc, il a ce système vasculaire. Alors, comment il bouge ce liquide? En fait, les veines, elles se contractent tout le temps, périodiquement. Toutes les 60 à 90 minutes, vous avez une contraction des veines. Et cette contraction, elle est générée par les mêmes protéines que vous allez trouver dans vos cellules musculaires. C'est exactement les mêmes. C'est ce qu'on appelle l'actine et la myosine. Et donc, ça se contracte. Et c'est comme ceci qu'il avance. En réalité, c'est comme quand vous appuyez sur un tube de dentifrice. Votre dentifrice, il fait quoi? Il avance de l'autre côté, il sort. Mais le blob, il utilise ce système, il contracte ses veines, il pousse le liquide contre la membrane et du coup, il finit par avancer. Et vous pouvez le voir ici, en macro, vous voyez à l'intérieur, en fait, cet effet stroboscopique, là, ce n'est pas un effet lumière, c'est les mouvements en fait, qui sont accélérés du liquide à l'intérieur. Regardez, il pousse, et ainsi, il pousse la membrane. Et en fait, ce qu'il fait, le blob, quand il contracte, il pousse le liquide, et ensuite, il contracte dans l'autre sens pour récupérer le liquide. Et il avance comme la marée. Il fait deux pas en avant, le blob, un pas en arrière. Deux pas en avant, un pas en arrière. Donc, il pousse, il retire. Il pousse, il retire. C'est un système unique. Mais bon, il n'a pas de pattes, alors il fait ce qu'il peut. Et donc, lui, se déplace avec un système vasculaire. Alors, il se déplace après quoi? Le blob, après sa nourriture, un petit peu comme nous, il aime manger. Et qu'est-ce que mange le blob dans la nature? Il mange des champignons. Alors ici, on lui a donné deux champignons de Paris. C'est une vidéo qui dure en réalité 24 heures. Et vous voyez, ce blob, d'abord, il passe sur les champignons. Puis vous voyez très vite qu'il ne fait pas que passer sur les champignons. Il les digère complètement, en réalité. Alors vous pourrez essayer, si vous voulez, après votre expérience de donner à manger à votre blob. Vous pouvez faire plein de tests, il adore ça. Alors, je vous rassure, dans votre expérience, vous n'aurez pas acheté des champignons de Paris. Le blob au laboratoire, ce qu'il adore, c'est les flocons d'avoine. Alors ça, c'est une découverte qui a été faite dans les années 60, on ne sait pas trop comment. Peut-être que le chercheur a voulu partager son porridge matinal avec le blob. Et en réalité, si vous donnez une portion comme ça de flocons d'avoine à un blob, en 24 heures, il l'aura entièrement couvert. Donc ce que vous voyez en réalité, c'est que c'est une cellule qui vient de doubler de taille sous vos yeux. Et donc cette cellule, elle double de taille tous les jours, quoi que vous fassiez. Donc, si vous mettez, par exemple, une petite webcam dans votre armoire où vous conservez vos blobs et vous ne leur donnez pas à manger, vous oubliez pendant un week-end, voici ce qui se passe. Le blob, s'il ne trouve pas à manger, il sort. Il se dit, moi, je vais chercher à manger ailleurs, car clairement, elle n'a pas l'air de vouloir venir aujourd'hui. Et on l'a retrouvée au plafond une fois. Parce que même si on ne fait qu'un centimètre à l'heure, dans un week-end, on peut parcourir deux bons mètres. Et en plus, il faut nettoyer après, etc. Mais il fera ça tout le temps. Si vous ne nourrissez pas tous les jours, il va faire ça. Soyez prêts. Alors, je vous rassure, on ne va pas vous envoyer un blob dans une enveloppe tout vivant qui va doubler de volume dans votre enveloppe. Avant, on a pris le temps de les faire dormir. Parce que le blob, vous pouvez le mettre en dormant. Ça, c'est génial parce que ça vous permet de partir en vacances. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un blob, vous le mettez sur un petit papier filtre, humide, mais vous ne lui donnez pas à manger. Donc, le papier filtre, au bout d'un moment, il va sécher. Et le blob, il va dire, les conditions ne sont pas top, là. Je n'ai pas à manger, ça sèche, c'est dangereux pour moi. Hop, il va rentrer dans une phase de dormance qu'on appelle une sclérote. Et il peut rester ainsi plusieurs années. En réalité, si vous le mettez dans un congélateur moins 80, vous pouvez le réveiller après 30 ans, on a testé.
Ensuite, vous allez donc recevoir un blob tout séché, comme ceci. Dans les kits, vous allez recevoir ça. Et pour le réveiller, ben, rien de plus simple. C'est un petit peu comme les Gremlins. Si vous avez le malheur de mettre une goutte d'eau sur votre blob, ben, il va se réveiller. Et vous allez voir de suite les pulsations reprendre. Et il va s'étendre très, très rapidement. Et là, il faudra lui donner à manger. Parce que là, il sera très, très affamé. Et alors, il y a une chose qui est absolument extraordinaire, c'est que votre blob, si vous le gardez pendant très longtemps chez vous, imaginons que vous le gardez jusqu'à, je ne sais pas moi, l'automne, parce que vous y êtes très attaché, vous allez voir qu'au bout d'un moment, il va montrer des signes de faiblesse. Oh, il va moins grandir, il attrapera peut-être même des contaminations. Ben, tout simplement, il va vieillir, votre blob. Mais si vous le faites dormir et que vous le réveillez, il va redevenir jeune. C'est comme je dis des fois aux enfants, c'est comme si vous preniez papy, mamie, vous les faites sécher, vous les remettez sous la douche et vous avez des bébés. C'est un petit peu comme ça, le blob. En fait, la cellule régénère complètement après une phase de dormance. Ne le faites pas avec vos papis et vos mamies. Ça ne marche pas encore. La chose encore plus extraordinaire et qui va beaucoup vous aider pour ce projet, c'est que cette cellule, je vous ai dit, elle a plein de noyaux. Donc, elle a plein de copies de son information génétique. Et donc, ce qui vous permet de la couper en morceaux. Et ces morceaux vont chaque fois donner un petit blob autonome. Donc, vous pouvez cloner votre blob et ainsi le partager avec votre voisin, si jamais il veut aussi participer à l'expérience. Le blob cicatrise en moins de 2 minutes. Je vous rassure, ça ne lui fait pas du tout mal quand on le coupe. Si vous mettez 2 morceaux du même blob, exactement le même blob, côte à côte, vous allez voir que très rapidement, les blobs vont ne former qu'un blob. Ils fusionnent les uns avec les autres. Ce qui est aussi très pratique pour certaines expériences. Et le blob, nous, il nous intéresse particulièrement au laboratoire parce que c'est un organisme qui n'a pas de cerveau, par définition. Il a une seule cellule. Et pourtant, il est capable de résoudre des problèmes qui peuvent paraître plutôt compliqués pour une seule cellule. Et le premier à avoir mis ça en évidence, c'est Toshiaki Nakagaki, un chercheur japonais qui a fait cette fameuse expérience du labyrinthe. Alors là, il matérialise avec les lettres l'entrée et la sortie du labyrinthe. En rouge, il dessine le chemin le plus court dans le labyrinthe. Ensuite, il va aller chercher ses blobs à l'obscurité. Toujours à l'obscurité, les blobs détestent la lumière. Et il va couper des tout petits morceaux de blobs qu'il va ensuite placer dans son labyrinthe. Alors, il a coupé ses petits blobs, mais ça reste le même blob de départ. Du coup, ces petits blobs, quand ils vont se balader dans le labyrinthe, ben, ils vont se retrouver, ils seront tout contents, ils vont tous fusionner. Et ça va former un unique blob dans le labyrinthe. Et là, Toshi, il va mettre des flocons d'avoine à l'entrée, des flocons d'avoine à la sortie. Vous avez vu, il utilise du Quaker lui aussi. Important, on y reviendra. Et donc là, le blob trouve le flocon d'avoine. Et vous voyez ces vagues là de cytoplasme, les vagues du liquide à l'intérieur. Et petit à petit, ce qu'il va faire, le blob, c'est se rétracter des zones où finalement il n'y a pas à manger. Vous voyez, hop, il se rétracte. Et il va garder une unique veine dans le labyrinthe qui prendra le chemin le plus court. Alors, il faut savoir que Toshi a eu le prix Ig Nobel pour cette expérience. Ce n'est pas le prix Nobel, hein. C'est le prix Ig Nobel, c'est pour les recherches qui font rire. Mais si vous faites une autre variante du labyrinthe, vous allez voir que le blob peut s'en sortir aussi, même s'il ne couvre pas entièrement le labyrinthe. Et il utilise pour ça un système relativement unique. Donc en réalité, vous allez voir, le blob se déplace dans le labyrinthe et très vite, il va trouver sa nourriture. Mais si maintenant, on regarde un tout petit peu plus précisément son parcours, vous allez voir ces marques blanches-là. En réalité, le blob, quand il se déplace, il est comme un escargot. Il laisse du mucus derrière lui. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il marque les endroits qu'il a déjà explorés. Et quand il rencontre son mucus à nouveau, ben, il n'y va pas. Il se dit, bah, alors j'ai déjà été, il n'y avait rien. Et en fait, il utilise une mémoire externe de son environnement. Il marque les territoires déjà explorés. Ensuite, le blob, c'est un optimisateur de réseau. Et donc ça, on a testé par exemple avec le réseau ferroviaire de la SNCF. Donc si vous mettez un blob sur Paris, et sur chaque ville de France, vous mettez un flocon d'avoine. Donc nous, on est ici. Et vous laissez votre blob explorer ce réseau. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, il va connecter tous les flocons d'avoine, il va connecter toutes les villes et on va pouvoir comparer ce réseau avec le réseau ferroviaire et voir que ce réseau, il est beaucoup plus efficace et beaucoup moins coûteux.
Alors, la seule déception, c'est que quand on est de Toulouse, on est obligé de passer par Bordeaux pour aller à Paris. Moi, j'étais un petit peu déçue, mais bon. Et en fait, cette capacité à optimiser sur ces réseaux, ça a intéressé beaucoup les informaticiens qui ont créé des algorithmes. Ils ont traduit en fait le comportement du blob en algorithme et ils ont créé comme ça des algorithmes de résolution de problèmes. Donc ici, c'est la carte des États-Unis. Ils lancent un blob virtuel dans le réseau et ils regardent quel type de réseau le blob produit. Et donc, le blob nous sert à nous pour ce type d'application, par exemple. Ce que nous, on a découvert à Toulouse il y a quelques années, c'est que le blob, malgré le fait qu'il n'ait pas de cerveau, il peut apprendre. Habituellement, on pensait qu'il fallait avoir un cerveau pour apprendre. Or, le blob, il peut apprendre en n'ayant qu'une cellule. Ici, vous avez un blob et la tâche, c'est qu'il doit traverser un pont pour trouver un petit flanc de nourriture. Le hic dans cette histoire, c'est qu'on a mis une substance sur le pont que le blob déteste. Et en fait, il va devoir traverser pour trouver la nourriture. Et on va lui demander de le faire plusieurs fois. Donc ici, en réalité, c'est le même blob, c'est un montage, et il le fait sur 5 jours. Et regardez ce qui se passe. Le tout premier jour, clairement, le blob, il n'aime pas ça. Alors là, par exemple, dans cette expérience, c'est du sel qu'on a mis sur le pont, il déteste. Mais regardez, ici, c'est exactement le même pont. Le blob n'a plus du tout de difficulté à le traverser, parce qu'il apprend à ignorer cette substance qui est répulsive, pour lui, il n'aime pas, mais qui n'est pas nocive en réalité. Donc, il apprend à ignorer quelque chose qu'il n'aime pas. Et le blob, il va même plus loin. Il peut partager cette information apprise. Si vous apprenez à un blob à ignorer une substance, eh ben, il peut le transmettre à ses congénères par fusion. Donc, par exemple, celui-ci qui aura appris que le sel était inoffensif va pouvoir donner cette information à ce blob qui ne sait pas. Et donc ça, ce sont des capacités extraordinaires. Mais ça ne répond pas à la question « Pourquoi utiliser le blob pour étudier les effets du réchauffement climatique ?» En effet, le blob, c'est un organisme extraordinaire, ça a l'air d'être assez facile d'expérimenter avec, mais finalement, est-ce que ça a un intérêt ? Alors, pour mieux comprendre pourquoi le blob est vraiment un élément important de l'écosystème, on va faire un petit rappel sur la biosphère. La biosphère, c'est tous les êtres vivants de la planète, tous. Et si on les pèse tous et qu'on regarde comment ils se distribuent, 80% de la masse des organismes vivants sur Terre, ce sont des plantes. Donc c'est le number one. Sur la deuxième position, ce sont les bactéries. Vous vous rappelez ces toutes petites cellules qui font à peine 10 microns, mais elles sont numéro 2. Alors il faut savoir que chacun d'entre vous à 1 kg à 2 kg selon votre taille de bactéries en fait, dans votre corps. Donc, vous multipliez ces kilos, déjà, ça fait pas mal de kilos, sachant qu'on n'est pas les seuls à avoir des bactéries. En troisième position, on va trouver les champignons. En quatrième position, à ex aequo, on va trouver les protistes. Alors les protistes, c'est des organismes unicellulaires, dont le blob, que les gens, à l'époque, ils ne voulaient pas classer. Quand ce n'était pas animal, que ce n'était pas champignon, que ce n'était pas plante, ils disaient c'est protiste. Donc c'est ce groupe-là. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les archées, qui sont comme des bactéries, mais en milieu extrême. Alors vous dites, mais nous, on est où ? Alors, nous, on est en cinquième position ici, dans les 0,5%. Donc en fait, si on prend tous les êtres vivants et qu'on les pèse, 0,5%, c'est les animaux. Donc comme c'est tout petit, on va agrandir un tout petit peu pour voir comment se répartit ce poids chez les animaux. Alors, les animaux, à 38%, c'est en poids, c'est les arthropodes, c'est-à-dire les insectes, les crustacés, les araignées, etc. En deuxième position, vous avez les poissons. En troisième position, à égalité, vous avez les mollusques et les annélides. Les annélides, c'est les vers de terre. On n'est toujours pas là. Ensuite, nous avons les cnidaires, donc c'est-à-dire les méduses, les coraux, les anémones. Ensuite, nous avons les animaux d'élevage. Ça veut dire que les vaches, les poules et les cochons, quoi. Ça représente 4% de la biomasse des animaux. Et ensuite, enfin, on va trouver les humains, c'est 2% de la biomasse. Et ce qui est encore plus incroyable dans ce schéma, c'est que les mammifères sauvages, c'est 0,3%. Et les oiseaux, c'est 0,1%. Donc vraiment, ça ne représente rien. Et pourtant, on se focalise beaucoup l'attention sur ces organismes-là. Alors pour simplifier, pour que vous compreniez très bien le problème, les protistes, qui sont donc tous les organismes unicellulaires, qui ne sont pas champignons, pas animaux, pas plantes, c'est 2 fois plus lourd que tous les animaux réunis. Donc ça, et pourtant, c'est des tout petits organismes sur la Terre. Et dans ces protistes,
si on se concentre sur les protistes, on a notre blob. Parce qu'en réalité, quand vous allez dans une forêt, la plus grande proportion de protistes que vous allez trouver, c'est les myxomycètes. Si vous prenez une cuillère à café de sol dans une forêt, vous allez trouver des centaines de milliers de cellules de myxomycètes. Ces petites cellules que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, vous avez dans une petite cuillère à café plein de potentiels blobs. Des centaines de milliers, en réalité. Et ces blobs, ils ont une fonction énorme dans nos forêts. Parce que, je vous l'ai dit, dans nos forêts, quand vous trouvez un petit blob, ce petit blob, il se nourrit de bactéries, quand il est tout petit, de champignons, quand il est bien plus grand. Et les bactéries et les champignons sont en réalité de la matière organique. Cette matière organique, ils vont la manger, ils vont la digérer et ils vont relarguer dans le sol des minéraux. Ces minéraux sont ensuite capturés par les plantes. Donc, c'est des organismes qui indirectement nourrissent les plantes. Et donc, si vous enlevez tous les myxomycètes, si vous les perdez liés au réchauffement climatique, vous perdrez en cascade toutes les plantes, les animaux, etc. Donc, c'est des organismes fondamentaux dans nos écosystèmes. Donc, cet objectif d'étudier le réchauffement climatique sur le blob, vous le comprenez mieux, ce sont des organismes qui sont importants, les blobs. Mais maintenant, la question devient, ok, c'est une belle question, mais comment on va faire ça? Comment on va étudier les effets du réchauffement climatique sur le blob? Et c'est là que je vais vous présenter la démarche scientifique. Ben, la première chose, quand on fait une expérience, c'est que d'abord, ben, forcément, on se pose une question. Le réchauffement climatique a-t-il une influence sur le blob? Une fois qu'on a notre question, on resserre un tout petit peu et on pose une hypothèse. Les changements de température vont affecter la croissance et le comportement du blob. Vous avez une hypothèse. Ok, mais vous ne vous lancez pas dans l'expérience. Avant, il y a la deuxième étape, la recherche bibliographique. En effet, s'il y a quelqu'un qui s'est déjà posé la question et que vous refaites l'expérience un petit peu ballot quand même. Donc, il faut vérifier que personne n'ait pas déjà fait l'expérience et surtout, essayer de voir si on ne sait pas déjà un peu des choses sur ce sujet-là. Et pour cela, on utilise des moteurs de recherche. Alors, c'est un petit peu comme Google, mais ce n'est pas tout à fait Google. C'est des moteurs de recherche qui vont répertorier tous les articles scientifiques dans des revues internationales, tous les livres qui sont coordonnés par des scientifiques, toutes les thèses et les rapports de recherche. Et donc, quand vous rentrez dans ces moteurs de recherche, vous tapez, alors c'est toujours en anglais, hein, désolé, vous tapez température, alors slime mold, c'est l'équivalent de blob en anglais, et souvent vous mettez aussi le nom d'espèce au cas où. Et vous allez du coup trouver comme ça, bien sûr, des articles, parce que vous n'êtes pas les seuls hein, quand même, vous êtes posé des questions sur l'effet de la température sur les myxomycètes, et vous allez tomber sur des articles. Et donc vous allez les lire, donc je les ai lus pour vous. Donc par exemple, ces deux articles, un publié en 1976 et celui-là en 1995, ont découvert que quand on change la température, le rythme de contraction du blob change. Donc par exemple, si le blob est à 1 degré, il va contracter toutes les 13 minutes. Si vous le placez à 14 degrés, toutes les 2 minutes. Si vous le placez à 30 degrés, toutes les minutes. Si vous le placez à 42 degrés, il n'y a plus de contraction. Vous commencez à voir les effets du réchauffement climatique. En fait, à 42 degrés, le blob il s'arrête complètement, il meurt. Et donc, vous allez faire des recherches. Alors, la seconde expérience que je voulais vous présenter sur le thème de la température, c'est une expérience qui est tout à fait hallucinante, qui a été faite par Toshiaki Nakagaki, qui a montré que le blob il pouvait anticiper les changements de température. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il met un blob sur un substrat, il le laisse à 20 degrés, la température qu'aime bien le blob, et après, pouf, il lui donne un coup de froid pendant 90 minutes. Puis après, hop, il le replace à 20 degrés. Puis hop, à nouveau à 10 degrés. Puis il n'arrête pas d'alterner comme ça. Et au bout d'un moment, il arrête d'alterner. Et vous allez voir le comportement du blob. Donc vous voyez, ici, on est à 20 degrés, le blob il est content, il se déplace. Hop, 10 degrés, un petit peu plus difficile. Hop, 20 degrés, il repart. 10 degrés, il s'arrête. 20 degrés, il repart. Et là, regardez, Toshi, en fait, laisse 20 degrés et pourtant le blob s'arrête. Il arrive à anticiper qu'il va y avoir un coup de froid. Il s'arrête un tout petit peu avant. Donc voilà, donc on fait de la biblio et donc on se rend compte qu'on sait des choses déjà sur la température, l'effet de la température sur les blobs. Une fois qu'on a fait donc notre recherche bibliographique, on va élaborer notre protocole. Et donc déjà, il y a une devise en science qui s'appelle « toute chose égale par ailleurs ». C'est-à-dire que quand vous voulez faire varier un paramètre, la température, ben vous ne faites pas varier les autres aussi.
parce que sinon, bah, vous ne saurez pas qui affecte quoi. Donc, vous n'allez pas commencer à changer aussi la nourriture et la lumière. Ce que vous allez faire, c'est ces deux paramètres, ils ne bougent pas. Le blob, il a toujours à manger, il est toujours dans le noir et on change juste la température. Et c'est comme ça qu'on arrivera à mesurer les effets de la température. Donc ça, c'est très important. On contrôle les paramètres, on en fait varier un ou deux maximum. Ensuite, la température. Quand on parle de température, la température, elle peut être représentée sous différents paramètres. En effet, on peut parler de durée. Donc, par exemple, on peut avoir une haute température pendant plus longtemps. On peut parler d'intensité, c'est-à-dire une température vraiment très élevée, une température un peu plus basse. Ou on peut parler de fréquence de changement de température. Donc, ça peut être pas fréquent ou très fréquent. C'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle avec le réchauffement climatique. En réalité, en 1900, les vagues de chaleur, elles étaient peu fréquentes, pas très intenses et pas très longues. Et à l'heure actuelle, elles sont longues, intenses et fréquentes. Donc, c'est ce que nous, on va regarder, ces trois paramètres pendant l'expérience. Durée, intensité et fréquence. Et c'est pour cela que quand on vous a parlé de l'expérience, il y a plusieurs protocoles. Parce que vous allez faire plusieurs profils de température. Ce qui va vous permettre de voir, par exemple, l'effet de la durée, l'effet de la fréquence et l'effet de l'intensité. Et donc, au total, on a défini 15 protocoles différents. Donc, chacun, vous allez recevoir 1, 2, 3 ou 4 protocoles selon les choix que vous aviez effectués. Ensuite, ce qui est fondamental quand vous élaborez un protocole, c'est d'avoir un groupe contrôle, ce qu'on appelle un groupe témoin. C'est-à-dire que vous allez chauffer des blobs, mais vous allez garder aussi un groupe de blobs que vous ne chauffez pas. Parce que c'est finalement le groupe que vous ne chauffez pas, il va rester à température constante. L'autre, il va rester, vous allez augmenter la température. Et c'est en comparant ces deux groupes que vous allez comprendre l'effet de la température. Si vous n'avez pas de groupe contrôle, ben vous ne pouvez pas vraiment savoir les effets de la température sur le blob. Donc c'est très important, vous aurez tous un groupe contrôle, un groupe expérimental qui sera chauffé. Ensuite, il faut savoir ce qu'on va mesurer. On fait varier la température, mais qu'est-ce qu'on mesure ? Ben, on a décidé de mesurer le comportement du blob. Il y a un comportement qui est bien spécifique au blob, c'est la façon dont il explore son environnement quand il n'a pas à manger. Et donc vous allez couper des morceaux de blob que vous allez déposer dans une boîte de pétri, vous allez le laisser s'étendre et vous allez le prendre en photo. Et comme ça, on pourra regarder en fait sa vitesse d'expansion dans la boîte. Alors, ce qui est fondamental aussi dans l'élaboration du protocole, c'est de prendre en compte un paramètre qu'on appelle la réplicabilité. Alors, je vous explique. Si vous faites une seule fois l'expérience, votre contrôle s'est très bien développé, votre groupe expérimental un peu moins. Il serait tentant de dire « Ah, ben, la température, ça affecte la croissance de mon blob ». Et là, vous refaites l'expérience pour être sûr quand même. Et là, vous voyez l'inverse. Donc, vous ne pouvez plus du tout conclure. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Ben, il faut faire plusieurs fois l'expérience, en réalité. Donc, une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, on peut quand même commencer à avoir des tendances. Là, il semblerait clairement que la température affecte la croissance du blob. Et donc, dans vos protocoles, vous allez les faire sur 8 individus minimum en parallèle. Vous allez faire 8 réplicas chacun. Pour le groupe contrôle et pour le groupe expérimental. Ensuite, ce qui est important, c'est la reproductibilité de l'expérience. Parce que si vous travaillez, excusez-moi le terme, comme des sagouins, il est possible qu'un autre volontaire ne puisse même pas reproduire vos résultats. Donc ça, c'est important, la reproductibilité. Il faut être sûr qu'un résultat, si quelqu'un refait le protocole comme vous, il obtient les mêmes résultats, sinon ça ne veut rien dire. Ça veut dire que ce que vous avez observé, ce n'était peut-être pas vrai. Et donc, chaque protocole qu'on a défini sera réalisé par 200 volontaires. Ensuite, il faut prendre en compte la variabilité interindividuelle. On est tous différents dans cette pièce. Bah, les blobs, c'est pareil. Ils ne sont pas tous identiques. Et chez les blobs, on appelle ça des souches. Mais c'est en réalité des individus. Et si, par exemple, ici, vous regardez trois souches de blobs, c'est des Physarum polycéphalum, les trois, c'est juste trois individus. Vous allez voir qu'ils n'ont pas du tout les mêmes vitesses de déplacement. Celui-là est très rapide, celui-là est extrêmement lent. Celui-là, il est un peu entre les deux. Et donc, il faut vérifier que les effets de la température sont les mêmes selon les souches, que ce n'est pas juste une souche, finalement, qui va être touchée. Donc, il faut, et pour cela, donc, on va réaliser les expériences sur plusieurs souches. Donc, vous allez peut-être recevoir, par exemple, Malu, Oulu ou des Walker. Vous allez recevoir une souche en particulier. Ensuite, il faut regarder la généralité de vos résultats. Donc, c'est très bien si vous avez pu montrer que les réchauffements climatiques affectaient Physarum polycéphalum,
Mais ce qui serait bien, c'est de savoir si c'est vrai aussi pour les autres myxomycètes. Et donc, dans cette expérience, vous, il y a un tout petit nouveau. Alors, je vous donne un défi de lui trouver un petit nom, puisque lui, on ne peut pas l'appeler Blob, c'est déjà pris. Donc, c'est Badamia utricularis, son petit nom scientifique. Libre à vous de peut-être lui trouver un nouveau nom. Et avec le challenge de le faire rentrer dans le dictionnaire, comme le Blob. Et donc, on va travailler dans cette expérience sur deux espèces de myxomycètes. Physarum polycéphalum, Badamia utricularis. Alors, on récapitule sur l'élaboration du protocole. 15 groupes, protocoles, deux groupes, un groupe contrôle, un groupe expérimental, 8 réplicas par groupe par volontaire, 200 volontaires par protocole, 3 souches par espèce, 2 espèces, vous allez suivre 288 000 blobs au total. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, moi, ça m'a pris 6 mois pour suivre 4000 blobs dans mon expérience d'apprentissage. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Cette expérience, elle n'est pas réalisable sans vous. C'est simple et net. On pourrait peut-être faire un profil ou deux, mais pas plus. Donc, 280 000. Ça fait rêver quand même, hein, ce type de chiffre. Alors, une fois qu'on a élaboré le protocole, on rentre dans la phase d'expérimentation. Alors, ce qui est important dans la phase d'expérimentation, c'est de suivre le protocole. C'est comme une recette de cuisine. Si vous enlevez la levure de votre gâteau yaourt, il ne va pas gonfler. Mais là, c'est pareil. Si vous loupez une étape, ben finalement, vous n'allez peut-être pas avoir les bons résultats. Donc, il sera important de suivre toutes les étapes du protocole de manière très précise. Ensuite, il faudra respecter les conditions expérimentales. Alors, on a eu beaucoup de questions sur la page Facebook sur le matériel. Et oui, il faut que tout le monde ait le même matériel. Par exemple, au laboratoire, on nourrit nos blobs avec des flocons d'avoine. Et bien sûr, on a essayé de leur donner du flocon d'avoine bio. Mais il y a un des blobs, et je ne dirai pas son nom, qui n'en a pas voulu du tout, qui a même tout rejeté. Et tous les blobs semblent préférer dans notre laboratoire la marque Quaker. C'est pourquoi on vous demande d'acheter des flocons d'avoine Quaker, pas parce qu'on est sponsorisé par Quaker, mais parce que le blob a décidé que c'était meilleur pour lui. En réalité, c'est sûrement parce que dans les flocons d'avoine bio, ils ne sont pas traités, et il y a sûrement des agents pathogènes que le blob n'aime pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il est très important de respecter les conditions expérimentales, parce que ça va jouer sur la croissance du blob ensuite. Ensuite, il faut tenir un cahier de laboratoire. Alors le cahier de laboratoire, c'est le journal intime du chercheur. Vous y marquez tout. Vous n'avez pas le droit d'arracher des pages. Vous n'avez pas le droit d'utiliser du blanco. Le cahier de laboratoire, ça peut vous être demandé, par exemple, en cas de fraude quand vous êtes scientifique. C'est vraiment tout chercheur a son cahier de laboratoire. Vraiment tout chercheur, parce que regardez, j'ai retrouvé le cahier de laboratoire de Isaac Newton et celui de Leonardo da Vinci. Alors, je préfère que vous suiviez Leonardo da Vinci comme modèle plutôt que Isaac Newton, qui ne tenait pas très bien son cahier de laboratoire. Mais c'est vraiment fondamental parce que ça nous permettra de comprendre, par exemple, si vos résultats sont un peu bizarroïdes, on peut revenir au cahier de laboratoire et dire « Ah bah ouais, ce jour-là, j'avais fait peut-être une petite erreur, etc. » Ensuite arrive, une fois qu'on a fini l'expérience, le recueil de données. Alors vous allez prendre des photos. Et j'espère que vous allez participer à cette étape. Vous savez que cette étape, elle est optionnelle. Mais honnêtement, on va vous montrer comment il faut faire. Et c'est vraiment, finalement, l'étape la plus intéressante. Parce que c'est vraiment là qu'on découvre les résultats. Donc vous allez utiliser un petit logiciel qui est libre d'accès, qui a été fait par des scientifiques et qui s'appelle ImageJ, totalement gratuit. Et si vous faites des belles photos bien contrastées, d'où le papier noir dans la liste du matériel, vous pouvez, avec un petit outil qui s'appelle baguette magique ici, juste cliquer sur votre blob et vous allez pouvoir le détourer et le logiciel va vous calculer son air, sa forme, son périmètre, etc. En un clic. Tout est lié dans la qualité des photos. Si vos photos, il y a des reflets dessus, si elles ne sont pas contrastées, on ne pourra pas faire ça. Il faudra le faire à la main. Je vous rappelle que vous avez 288 000 blobs. Et après, vous obtenez ça. Alors ça, c'est vrai que ça fait peur à chaque fois. C'est les tableaux de données. Alors dans un tableau de données, on a quoi ? Ben, l'identité de volontaire. Hein, on vous garde. Hein, on saura qui a travaillé. Vous avez l'espèce sur laquelle vous avez travaillé. Par exemple, Physarum polycéphalum. La souche, Daywalker. Le protocole que vous avez suivi, vos groupes, vos réplicas, les jours, les températures que vous lui avez fait subir à ce pauvre blob, la température ambiante,
La latence entre le moment où vous avez posé votre blob et le moment où vous avez mesuré l'air, le moment où vous avez pris la photo. Et ça va faire 1 440 000 lignes. Ben oui, vous avez 288 000 blobs et c'est une photo par jour. Donc ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes. Et là, on va rentrer dans la phase que vous allez beaucoup moins aimer. Et que, si vous voulez, vous pourrez aussi nous accompagner dans c'est vraiment le côté obscur hein, de la recherche, l'analyse de données. Donc vous avez maintenant vous avez votre tableau de données, c'est super. Hein, mais maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'elles disent, ces données, comment les interpréter. Alors, prenons un exemple. Ici, c'est la distribution de mes données. Donc mes données, c'est la taille des blobs. Et ici, c'est le nombre de blobs. Et ici, par exemple, c'est la température 28 degrés. Donc voici la distribution de mes données. J'ai un gros blob. Alors c'est clairement ce qu'on appelle en science un outlier. Il y a un gros blob, il y en a un qui s'est vraiment développé. Un tout petit blob qui, lui, ne s'est pas développé. Il a peut-être eu un petit souci. Et puis quand même, en moyenne, mes blobs, ils ont à peu près la même taille. Et donc, on a une distribution comme ça, qui est habituellement centrée sur la moyenne. Alors, ces distributions, elles peuvent avoir différentes formes. Là, quand elles sont très resserrées comme ça, c'est très bien. Alors, ça veut dire que d'une, le blob se comporte toujours de la même manière et souvent que vous avez très bien travaillé parce que vous n'avez pas eu plus trop d'accidents de manip. Donc là, c'est très bien parce que vous avez peu de données extrêmes, qu'on appelle. Ça, c'est quand vous avez sûrement un peu moins bien travaillé ou que le blob est très capricieux, comme une certaine souche que je ne citerai pas, mais qui ne participera pas, je vous rassure, à l'expérience. Vous avez des blobs finalement de toutes les tailles. Il semblerait que la température 28 degrés n'ait aucun sens pour le blob. Il se développe des fois pas du tout et des fois beaucoup. Alors ça, c'est un problème et je vais vous expliquer pourquoi d'avoir ce type de distribution très, très étalée. Imaginons que vous avez donc des distributions très étalées. Vous avez votre groupe contrôle qui est à 20 degrés et votre groupe expérimental qui est à 28 degrés. Voici ma distribution. Alors, mes deux moyennes elles semblent différentes. Clairement, le contrôle il est plus grand en moyenne que l'expérimental. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Parce que quand même, j'ai beaucoup de données qui sont en commun. Et c'est là où la statistique vient nous aider. Elle va vous calculer, en fait, le pourcentage de chances que, si vous dites que le contrôle est différent de l'expérimental, ce soit vrai. Dans ce cas-là, la statistique, elle vous dit oui, vous avez 30% de chance que le groupe contrôle soit différent du groupe expérimental. Ça veut aussi dire que vous avez 70% de chance de vous tromper. Et donc là, la statistique, elle vous dit bah, vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit de dire que c'est différent. Et donc là, bah, voilà. Soit il faut refaire l'expérience, soit clairement le blob n'est pas du tout affecté par la température. C'est aussi une possibilité. Si maintenant, avec exactement les mêmes moyennes, vous obtenez ça. C'est les mêmes moyennes, c'est juste la distribution a changé. Là, le test statistique va dire « Ah, là, vous avez 99% de chances d'être juste quand vous dites que le groupe contrôle est différent du groupe expérimental. » Et là, vous êtes content. Statistique, l'important, quand vous avez ce type de distribution, vous êtes content. Donc voilà, il faut bien travailler pour avoir de belles distributions. Une fois que vous avez analysé vos données, arrive le fameux moment de la publication. Alors, publier un article, alors je vous en ai mis un très court, il fait 2 pages habituellement, c'est plutôt une douzaine de pages. Alors ça se découpe comme ça, vous avez un résumé, une introduction, un matériel et méthode. Alors matériel et méthode, c'est le protocole, il faut que la personne qui lit votre article soit capable de reproduire l'expérience en lisant cette partie. Donc il faut qu'elle soit très détaillée. La partie des résultats, qui est souvent accompagnée d'une petite figure pour illustrer. Une partie discussion, c'est là où on interprète nos données en fonction de ce qu'on avait lu avant. Donc, par exemple, ici, c'est un article sur les bâillements, le contagion des bâillements chez les chimpanzés. Donc, en discussion, ils discutent sur le fait que peut-être qu'il est empathique, etc. Et ensuite, vous avez la petite partie qui s'appelle biblio. C'est là où vous mettez votre liste de références, tout ce que vous avez lu qui vous a permis finalement d'écrire cet article. Alors, une fois que vous avez écrit votre article, ben, vous devez l'envoyer dans un journal scientifique. Alors là, vous avez le choix. Il y en a 30 000. Donc, vous avez l'embarras du choix et ils sont classés par facteur d'impact. Donc, 1, c'est mauvais. Quand vous êtes supérieur à 14, c'est mieux. Mais vous voyez que, bien sûr, la majorité des journaux ont plutôt un facteur d'impact petit. Et c'est souvent le cas de journaux qui sont très spécialisés. Par exemple, le journal Prostistologie, où il n'y a que les gens qui travaillent sur les protistes qui publient dedans, il aura moins d'impact qu'un journal comme Nature,
qui est un journal généraliste qui va publier sur l'astrophysique, le Covid, etc. Le dernier article sur les blobs qui a été publié dans Nature, ça date de 2000, depuis, parce que c'est très, très compétitif de publier dans cette revue. Donc, vous allez choisir votre journal, vous l'avez choisi. Alors, comment ça se passe? Vous écrivez votre article et vous l'envoyez à un éditeur. Alors, l'éditeur, c'est un scientifique, hein, comme vous, souvent un petit peu plus senior. Et lui, il va décider si c'est bien ou pas, si ça l'intéresse ou pas. Si ça ne l'intéresse pas, il vous le rend. Et vous devez l'envoyer ailleurs. Alors, des fois, il peut prendre sa décision en un mois, un petit peu rageant, parce que vous avez perdu un mois. Des fois, il trouve qu'il est pas mal, votre article, et donc il l'envoie à deux autres chercheurs de votre discipline. Alors, souvent, c'est des compétiteurs aussi, qui vont devoir donner leur avis. Alors, ils ont habituellement entre un et deux mois pour donner leur avis. Et ils disent, bon, ben, y en a un qui dit, par exemple, « Ouais, super, cet article !» Et il y en a un qui dit, « Ouais, bof, non. » Et donc là, l'éditeur, ben, il doit faire un choix basé sur les rapports. Et des fois, quand c'est un journal qui est justement un impact factor, s'il y a des petites critiques, ben, c'est refusé. Et donc là, vous repartez pour un tour, vous renvoyez un autre journal. Si jamais l'éditeur, il se dit, peut-être quelque chose quand même. Peut-être que finalement, le chercheur 2 n'était pas hyper sympa. Et on va lui donner une seconde chance. Et donc là, vous récupérez votre article et vous retravaillez dessus parce que vous voulez absolument que le chercheur 2 soit super content. Et donc, vous renvoyez l'article, il renvoie chercheur 1 et chercheur 2. Ça peut durer des années. Et là, jusqu'à ce que les deux soient disent « Ah ouais, c'est un super article. » Et là, il va, donc, l'éditeur va décider qui publie votre article. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée que la publication que nous, on prépare, hein, tous ensemble, ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc, si on récapitule, on a plusieurs étapes dans la démarche scientifique. On pose une question et une hypothèse. On fait de la recherche biblio. On élabore un protocole, on expérimente, on recueille les données, on les analyse et on les publie. Vous, vous allez participer surtout à ces deux étapes-là, expérimentation et recueil de données. Cette étape-là, on l'a fait ensemble. On vous en parle sur la page Facebook et sur le site du CNRS, où on va vous dire toutes les recherches bibliographiques qu'on a faites, etc. L'analyse des données, vous êtes libre de participer aussi si vous le souhaitez. Et ensuite, la publication de l'article scientifique. Donc j'espère que vous allez pouvoir participer à ces deux étapes-là parce que c'est vraiment les étapes qui sont les plus excitantes. On voit finalement si notre expérience elle a marché ou pas. Donc derrière le blob La Recherche, c'est un projet de science citoyenne absolument inédit. Et je souhaitais, pour finir en fait cette conférence, vous présenter les gens qui sont derrière ce projet. Donc il y a vous, bien sûr, et il y a aussi l'équipe qui travaille sur ce projet. Et donc l'équipe Labo, l'équipe Blob Labo, c'est les gens donc, qui sont vraiment au laboratoire. Et donc on est quatre femmes. Et donc, il y a Émilie Pasquier et Céline Mial, qui sont deux techniciennes qui préparent en ce moment même ben, les kits que vous allez tous recevoir, qui travaillent à mes côtés depuis quelques mois. Et Manon Assier, qui est une étudiante de Master 1, qui fait son stage avec moi et qui teste les protocoles. Donc, tout ce que vous allez faire, ben, elle ne les fait pas tous, mais elle teste pour voir déjà si on ne crame pas le blob, des choses comme ça. Si elle ne crame pas le labo non plus. Donc, voilà, donc ça, c'est Manon qui fait ça dans les mois à venir. Et bien sûr, il y a l'équipe Blob.com. Et donc, vous avez déjà rencontré les gens de CNRS Occitanie-Ouest qui sont derrière cette magnifique exposition qui est là aujourd'hui et qui nous soutiennent depuis le début dans ce projet, qui sont vraiment, eux aussi, à l'origine. C'est vraiment une idée commune qu'on a eue entre notre équipe et l'équipe et la délégation Occitanie-Ouest. Donc, c'est vraiment un projet commun qui s'est fait main dans la main. Ensuite, vous avez l'équipe des réseaux sociaux. C'est à eux que vous avez, avec qui vous discutez sur la page Facebook. Donc moi, j'y vais un petit peu, mais c'est quand même surtout eux qui sont derrière cette page Facebook. Et vous avez les gens aussi qui ont financé et qui sont aussi derrière ce projet, les gens de l'Institut National de Sciences Biologiques, le service de communication et la DIRCOM. Il faut savoir que ce projet est entièrement financé par des services de communication. Donc c'est vraiment, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas eu non plus les moyens de payer, ben, bien sûr, le matériel à tous les volontaires. On aurait beaucoup aimé, mais bien sûr, on a des moyens limités. Et enfin, je vais finir par remercier les partenaires de ce projet, donc ben, le Quai des Savoirs qui nous reçoit aujourd'hui et qui reçoit l'exposition, le Dôme à Caen, qui fait aussi de la science participative avec le Blob, le Muséum d'Histoire Naturelle de Lille, Sparco, qui est un centre de sciences en Belgique, parce qu'on a beaucoup de Belges en fait dans ce projet, et la Faculté de Santé de Créteil, qui nous aide un peu aussi, qui fait quelques kits Blob avec des étudiants. Donc tous ces partenaires vont en fait communiquer sur le blob, organiser des ateliers et vont aussi nous accompagner pendant tout ce projet.
Et donc, je vous remercie. Aujourd'hui, vous avez reçu vos blobs. Il faudra les garder endormis encore un tout petit peu. Vous le savez, l'expérience commence qu'en avril. Mais ne vous inquiétez pas, le blob dort très, très bien. Il peut rester ainsi des années. Merci beaucoup. Merci, Audrey. Donc, on va quand même garder un petit peu de temps pour les questions. Alors, je n'ai pas besoin d'en préparer, j'imagine, parce que vous en avez déjà tous. On en a aussi certainement en ligne. Est-ce que, Pierre, nous avons, pour lancer la démarche, des questions en ligne ? Oui. Alors, on a une première question. Si on découpe le blob pour l'expérience, peut-on mettre les rébus au compost sans danger ? Est-ce qu'il se décompose plus vite ? Suivi de, peut-on le relâcher en forêt ou sera-t-il un déséquilibre pour l'écosystème local ? Alors, Physarum polycéphalum et Badania utricularis sont des espèces indigènes. Ça veut dire que c'est des espèces qui sont déjà présentes en France. Donc, il n'y a pas vraiment de danger. On ne craint pas une introduction d'une nouvelle espèce. Elles sont déjà présentes. Ensuite, nous, on a déjà fait de relâcher de Physarum pour faire des tests. Il survit pas beaucoup, en réalité. Badamia, beaucoup mieux, déjà. Mais Badamia, c'est vraiment une espèce qu'on appelle cosmopolite. On la trouve partout. Alors, dans le compost, le blob, il ne va pas mourir, en réalité. Il aime beaucoup le compost. Il va plutôt se développer. Alors, les vers n'aiment pas trop le blob, mais le blob aime beaucoup le compost. Donc, vous pouvez, si vous voulez avoir du blob dans votre compost, vous pouvez mettre le blob dans le compost. Alors, dans l'expérience, on vous offre deux options. Si vraiment vous avez des excès de blob, bah, vous pouvez les jeter. En fait, vous savez très bien que vous ne jetez jamais vraiment l'individu puisque vous en gardez une copie. Et sinon, vous pouvez le donner parce qu'il y a plein de volontaires qui n'ont pas pu faire l'expérience parce qu'on n'a pas pu leur donner des blobs. Et donc, si jamais vous connaissez une personne qui avait vraiment envie de faire l'expérience, ben, je vous conseille de surtout le donner, en fait. Et alors, juste, tu précisais hier pendant la conférence de presse qu'effectivement, il y a des endroits que vous n'avez pas retenus pour faire les tests parce que ce n'était pas des endroits où le blob pouvait être vivant. Oui, tout à fait. On a dû refuser l'inscription à 100 réunionnais. Et on était très tristes parce que Physarum polycéphalum, il n'existe pas à l'île de la Réunion. Et il est hors de question, en fait, d'introduire une nouvelle espèce. On sait les dégâts écologiques que ça peut faire, même si, je vous rassure, les espèces de Myxomycète invasives, il y en a zéro. Il n'y a aucune espèce de Myxomycète à l'heure actuelle sur la surface terrestre qui est considérée comme invasive. Est-ce que vous avez des questions dans la salle aussi ? Parce que je ne veux pas vous frustrer alors que vous êtes là. Pierre, si tu peux te donner le micro. Alors, on va vous faire passer le micro pour que tout le monde puisse entendre, y compris les gens en ligne. Merci. Petite question, alors qu'est-ce qui est arrivé à ce blob aux États-Unis pour qu'il disparaisse dans la nuit ? Il avait sporulé. Et donc les spores avaient été balayées par un coup de vent. Et donc il avait entièrement. Et en plus, quand le blob sporule, il devient tout petit, ça fait des toutes petites structures noires qui sont à peine visibles. Et en réalité, elle n'a pas fait attention parce que c'était dans une espèce de parterre de fleurs et elle n'a pas vu qu'il y avait toutes les sporanges. Donc la masse jaune avait vraiment disparu. Donc, en fait, il sporule et le reste, et le, ah oui, parce la qu'en base fait, disparaît. Voilà, chaque noyau du blob devient une spore. Donc, en réalité, il ne reste rien du corps du blob, puisqu'en fait, les pieds sont faits avec donc, des restes de membranes, de mucus, mais il n'y a pas de noyau en fait, dans les pieds, pas comme chez Dictyostelium, son cousin, par exemple. Il n'y a pas de sacrifice, tous les noyaux donnent une spore. Il y avait une autre question, une demoiselle là, avec un pull rouge. Moi, en fait, ma question, c'est est-ce que donc le blob, il a une vie infinie, plus que quand on le rendort, il revient à zéro. Mais donc, est-ce qu'il a une vie infinie ou à un moment, il meurt ? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, on ne sait pas. Parce que du coup, on n'est pas assez vieux pour, pour avoir suivi le blob. Moi, j'ai un blob au laboratoire, par exemple, il a plus de 70 ans. Donc, je pense que lui va me survivre. Donc, il faudrait que peut-être des générations de chercheurs suivent ces blobs pour savoir jusqu'à quel âge on peut les garder, parce qu'on ne sait pas. Donc, pour l'instant, on parle de ce qu'on appelle de l'immortalité, mais ce n'est pas vraiment de l'immortalité. Le blob, en réalité, on peut le tuer si on marche dessus, si on le met dans un four ou si on le met au congélateur, il va mourir. Mais si on s'en occupe très, très bien et qu'on le fait dormir régulièrement, il va vivre très, très, très longtemps. Mais on ne sait pas combien de temps. Alors, il y avait une question devant. Est-ce que le blob, il peut attraper des maladies ? Alors oui, il attrape des fois des infections bactériennes. C'est comme nous, un peu nous, on a des bactéries qui sont très bonnes pour nous, dans notre intestin. Mais on a des bactéries qui nous donnent des angines, par exemple. C'est des mauvaises bactéries. Le blob, c'est pareil. Il y a des bactéries qui mangent et il y a des bactéries qui sont mauvaises pour lui. Il peut aussi attraper des contaminations fongiques, c'est-à-dire des petits champignons qui lui poussent dessus. Ça, c'est ce qui arrive le plus dans les élevages de maison. C'est quand on nettoie pas bien son blob ou qu'on lui donne un peu trop à manger. Il attrape un petit peu des moisissures.
Et après, il ne peut pas attraper... par exemple, on n'a jamais mis en évidence qu'un blob pouvait attraper des virus. Ça ne veut pas dire que le blob ne peut pas attraper de virus, mais ça n'a jamais été mis en évidence pour l'instant. Une belle expérience à faire en ce moment. Alors, il ne peut pas attraper le coronavirus parce que ça touche forcément que les oiseaux et les mammifères, les coronavirus. Est-ce qu'il y a une question en ligne, peut-être ? Oui. Pourriez-vous nous donner plus d'informations sur ces 720 types sexuels ? Comment les multiples combinaisons au niveau de sa sexualité sont définies ? Sont-ils tous compatibles ensemble ? Ah, c'est la sexualité des blobs, les gens aiment bien ça. En fait, le type sexuel des blobs, il dépend de 3 gènes qui ont chacun en fait plusieurs allèles. Et donc la combinaison, il y en a 720. Et en fait, pour que les deux blobs puissent se reproduire, il faut que les deux types sexuels soient compatibles. Et donc la seule façon, en fait, c'est que vous avez donc ces 3 gènes. Il y en a un qui est important, il faut qu'il soit vraiment différent, mais les deux autres, ce n'est pas très grave. Et donc vous avez, je crois, c'est 680 possibilités. Il y avait une question d'une petite demoiselle aussi derrière. Est-ce que les 720 sexes, ils ont des noms ? Ah non, personne ne leur a donné. En réalité, si. En vrai, non, je mens, il y en a, mais alors c'est un peu barbare. Par exemple, il y a un des blobs qui est Mat A, Mat B, CDX. C'est moins sympa que fille, garçon. Mais non, voilà, ils ont des noms, mais ça s'appelle comme ça. C'est donc le nom, en fait, du premier gène, du deuxième et du troisième. Donc c'est un petit peu barbare. Mais nous, dans notre laboratoire, on connaît le sexe que de deux de nos blobs. Les autres, on ne sait pas. Et comment on le sait ? Ah ben, il faut faire de la génétique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, un micro dans la salle ? Ah, la dame à fond. Est-ce qu'on peut déplacer le blob pendant l'expérience ? Est-ce qu'on peut l'emmener d'un endroit ou un autre ? Alors, pas pendant le protocole. Mais entre deux protocoles, si vous avez choisi par exemple deux protocoles de 5 jours, entre les 2 fois 5 jours, vous pouvez. D'accord. Ou pendant la phase de croissance, vous pouvez aussi. Vous savez, il y a une petite phase de croissance avant de démarrer l'expérience. Vous pouvez très bien partir en week-end avec votre blob, il n'y a pas de souci. Mais pendant la phase expérimentale, il faut qu'il soit dans les mêmes conditions expérimentales. Il y avait une autre question juste ici. Alors, du coup, moi j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que le blob a un système nerveux ? Et la deuxième, c'est au niveau de la cognition, puisque vous avez dit qu'il avait une mémoire. Où est-ce qu'il stocke ces informations ? Alors, il n'a pas de système nerveux, parce que le système nerveux, c'est donc des neurones, et donc il faut avoir plusieurs cellules, donc il n'en a pas. Alors, l'information, alors ce qu'on sait, c'est que ça circule en fait dans le cytoplasme, ça c'est sûr, puisqu'on a démontré, nous, que si les membranes fusionnaient, mais qu'on n'autorisait pas le réseau veineux à fusionner, ça ne marchait pas, il n'y avait pas de transmission de l'information. Et donc, on a découvert deux choses. La première, c'est que le blob, par exemple, quand il apprend le sel ou qu'il apprend à ignorer la quinine, il l'incorpore à l'intérieur de la cellule. Et donc, il y a une part de la mémoire qui est juste la substance elle-même, en fait. Il transmet, en fait, ce sel. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'on a fait des expériences où on avait un blob qui était connecté à 4 autres blobs. Et donc, si c'était que le sel, l'information aurait dû être diluée, en fait. Et or, elle ne l'était pas, puisque les cinq avaient la même performance d'apprentissage. Donc, c'est soit un système de seuil, il faut juste un tout petit peu de sel pour que ça marche, ou bien il y a une signature, en fait, moléculaire. Et donc, en ce moment, on fait ce qu'on appelle la transcriptomique, on regarde, en fait, le profil des ARN de nos blobs. Et nos premiers résultats, c'est avec une équipe à Aberdeen et une équipe à Toulouse, nos premiers résultats montrent que les profils d'ARN entre un blob qui a appris quelque chose et un blob qui n'a pas appris sont complètement différents. Donc maintenant, on va se focaliser justement sur ces ARN qui diffèrent, essayer de comprendre en fait quelle est leur fonction. Ça, c'est pour le sel, mais pour les informations comme le labyrinthe. Alors le labyrinthe, il ne l'apprend pas. Ah, la mémoire, on appelle ça une mémoire externe en fait, c'est le mucus, mais il n'apprend pas. Lui, c'est juste que si vous lui donnez le choix entre un substrat où il y a son mucus et un substrat où il n'y a pas son mucus, il va toujours choisir le substrat sans mucus. Son mucus est légèrement répulsif. À nouveau, la demoiselle en rouge. Et combien y a-t-il de blobs qui vont être donnés dans le monde ? Alors on a donné, on va donner 15 000 kits blobs, et dans chaque kit, il y a 4 blobs. Donc on donne 60 000 blobs. C'est un gros travail. Hein. Il faudra féliciter Émilie si vous la voyez à la sortie. J'ai une question aussi. Alors, est-ce que l'électricité passe à travers le blob ?
Alors, ça, c'est une expérience qu'a fait Andy Adamatsky à Bristol. Il avait aussi connecté, par exemple, son blob à un circuit imprimé pour lui faire faire de la musique. Je ne sais pas si... J'imagine que tu as vu le documentaire, peut-être. On le voit à un moment donné, le blob faire de la musique. Donc, oui, mais ça ne lui fait pas grand-chose, en fait. Si on lui fait des chocs électriques, on n'a pas mesuré de différence de comportement. D'accord, merci. Alors, il y a peut-être une question sur Internet. Oui. Alors, une question. Un ami a une maison en bois et n'a pas voulu du blob que j'ai voulu lui donner. Il avait peur qu'il mange sa maison. Est-ce qu'il a raison ? Et aussi, non, le blob ne mange pas de bois. Il vit sur le bois en décomposition, mais parce qu'il y chasse les bactéries et les champignons. Mais lui-même ne mange pas le bois. Il mange les bactéries et les petits champignons. Donc, s'il a une maison en bois qui est pourrie, par contre, il va se régaler. Il y a une question d'un jeune homme au fond. Est-ce que le blob peut se blesser ? Alors, il n'a pas de souffrance comme nous, mais on appelle ça du stress. Donc, quand on coupe le blob, par exemple, on voit qu'il met un petit temps à redémarrer parce qu'il faut qu'il se réorganise et tout ça. Donc, c'est un petit stress. Mais il ne peut pas vraiment se blesser comme nous. Alors, par exemple, si on coupe le blob, tu vas voir en fait que le liquide à l'intérieur, qui est un peu comme le sang du blob, ça va sortir, mais ça va très vite coaguler par rapport à nous, beaucoup plus vite. En moins de 2 minutes, c'est tout. En fait, son sang, au contact de l'air, il se transforme complètement en gel. Donc comme ça, ça évite les écoulements. Alors que chez nous, bah, ça coule un petit peu plus longtemps. Donc il ne peut pas vraiment se blesser. Et même s'il perd un morceau, on lui enlève un tout petit bout, bah, le petit bout, il va vivre sa vie tout seul. C'est comme si quand tu coupes la queue du lézard, bah, la queue elle pourrait continuer à fonctionner comme elle veut. Alors on a une question sur YouTube. Oui. Alors vous avez déjà on a déjà évoqué l'âge du blob, mais la question est plus précise. À quel âge peut-on considérer qu'un blob est vieux ? Alors ça dépend de la souche. Et nous l'avons appris à nos dépens récemment, parce qu'on avait une souche qui périclitait très rapidement. Et on est en train de faire un projet en ce moment sur le vieillissement du blob. Et on a commencé avec une autre souche, pensant que ça ferait pareil à peu près. Et on a pris la souche LU352, donc celle qui est partie dans l'espace avec Thomas Pesquet. Et là, ça, je l'ai réveillée en août 2020. Ça fait un petit peu de temps. Et il est en pleine forme. Mais vraiment en pleine forme. Donc je ne sais pas jusqu'à où on va l'amener pour qu'il soit vieux. Et si j'avais pris la souche que j'avais prévue au départ, en moins de 2 mois, habituellement, on voit les premiers signes du vieillissement. Donc, mais bon, on a pris la souche LU352 parce qu'elle a été séquencée. Il y a une question tout devant. Et Pierre, il y a un jeune homme qui voudrait le micro tout au fond. Est-ce que quand il brûle, il a mal ? Où je suis ? C'est bon. Ah, pardon. Est-ce que quand il brûle, il a mal ? Alors, il a pas mal comme nous, on a mal, oui. Mais il y a du stress. Et puis surtout, si on le brûle, il va mourir. Ce ne sera pas très bon pour lui. Est-ce que le blob, si on le coupe trop petit, il meurt ou pas ? C'est une excellente question, ça, parce qu'en effet, on ne peut pas couper le blob en mini, 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 mini. Le plus petit qu'on peut couper quand on a une grosse cellule comme ça, c'est 0,5 mm². Si on coupe plus petit, ça ne repart pas. Donc, c'est une très bonne question. Il faut couper en morceaux, mais pas trop petit, petit, petit. D'accord. Toujours pour les sports. Alors, qu'est-ce qui lui dit qui doit décider de sporuler ou pas ? Parce que vous avez dit que vous les gardez au laboratoire. Alors nous, on les empêche de sporuler. Voilà, c'est parce que vous les empêchez. Oui, nous, on les empêche de sporuler. Parce qu'il faut un signal externe, en fait. Et comment on décide de les faire sporuler ? Il faut simplement lui couper les vivres et lui faire percevoir un peu de soleil. Donc le blob, en fait, quand il atteint une certaine taille et qu'il n'a plus à manger et qu'il voit la lumière, il sporule. Et c'est assez rapide et ça marche à tous les coups. Ça risque pas d'arriver aux volontaires ? Ben non, parce que vous les aurez enfermés dans une boîte. Donc normalement, s'ils voient la lumière du soleil, c'est pas bien. Est-ce que le blob, il a un des 5 sens comme la vue ou l'ouïe ? Alors c'est une excellente question. Alors le blob, il perçoit la lumière, donc il n'a pas la vue comme nous des yeux, mais il a des protéines à l'intérieur qui lui permettent de percevoir la lumière. Donc il perçoit la lumière blanche, les UV et la lumière bleue. La lumière rouge, il ne la perçoit pas. Et il perçoit la lumière verte, mais elle ne le gêne pas. Ensuite, il a surtout un sens qui est extrêmement développé, si on devait le comparer à nous, ça serait le goût. Le blob, c'est un petit peu comme s'il léchait le sol en permanence. En réalité, le blob, quand il explore, il échantillonne en fait son sol. Il goûte
il fait vers là, il y a du sucre. Et s'il continue à avancer, qu'il y a encore un peu plus de sucre, il se dit ah, je vais dans la bonne direction, c'est qu'il y a de la nourriture au fond. Et donc, il est tout le temps en train de goûter son sol. Et donc, il a ces sens-là. Après, il est peu sensible, par exemple, aux vibrations. Mais on va commencer un projet avec quelqu'un qui travaille à l'INRA, qui est un organisme de recherche qui travaille sur les plantes en particulier. Et on va regarder si le blob est sensible au son. Il y a des enfants qui ont fait cette expérience à l'école où ils ont mis du Chopin et du Jules pour voir comment ils se développaient. Bon, ils n'ont pas fait assez de réplicas pour qu'on puisse tirer des conclusions. Mais ils avaient vu des petites différences, c'était rigolo. Donc voilà, il a des sens, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes que nous. Il perçoit son environnement. Ce n'est pas comme s'il était complètement aveugle à son environnement. Donc très prochainement, le blob pourrait rejoindre l'installation Qui parle donc. Voilà, vous pourriez parler avec un blob. Voilà. C'est bon à savoir. Est-ce que le blob il peut donner des maladies aux chiens ou est-ce que le chien mange le blob ? Ah, il y a des gens qui ont des animaux à la maison, ils ont peur qu'ils mangent les blobs. Alors, le blob il peut pas donner des maladies. Si toi tu le manges par exemple, c'est vraiment pas bon, mais c'est pas toxique. Donc je sais que c'est pas bon parce que quand j'ai été au collège il y a pas très longtemps, il y a un petit malin qui m'en a mangé un bout de mon blob, parce qu'il est revenu avec un trou comme ça. Alors du coup je lui ai dit, bah, dis-moi quel goût ça. Il m'a dit yaourt moisi. Donc ça ne fait pas vraiment envie en fait. Mais ce n'est pas toxique. Et les chiens habituellement, ils n'aiment pas trop l'odeur du blob. Parce que vous allez voir, l'odeur du blob est assez particulière. Et ça ne donne pas trop envie de le manger. Donc je ne pense pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de questions dans les questionnaires en fait, qu'on vous avait fait remplir en ligne au départ. Si le chat aussi mangeait le blob, non. Je pense que le chat se désintéresse complètement du blob. Alors, il y a une question devant. Oui, c'est pour les apprentissages, en fait. Vous avez vu parce que vous avez dit que pour la mémoire, par exemple, du tracé, du coup, ils mettaient du mucus et ils s'en rappelaient comme ça. Par contre, pour les apprentissages où ils traversent le sel, du coup, j'imagine que c'est une forme différente de mémorisation. Oui. Et est-ce que cette mémorisation aussi, parce qu'elle se transmet, vous avez dit aussi, quand on le clone, oui. Mais quand il va se reproduire par spore, du coup, via le noyau, est-ce que cette mémorisation va continuer, cet apprentissage, est-ce qu'il va continuer ? Non, parce qu'en réalité, la mémoire de l'habituation, donc cette habituation par exemple à une substance, après deux jours, elle disparaît complètement. En fait, le blob, s'il est plus stimulé par la substance, il oublie. Mais par contre, on a réussi à lui faire garder l'information en dormance. Mais c'est parce qu'on l'a stimulé jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et là, quand il s'est réveillé, il était encore habitué, il se rappelait. Mais par contre, je ne pense pas honnêtement que ça puisse se transférer par les spores. Mais après, on peut imaginer d'autres types aussi, peut-être d'apprentissage. On ne connaît pas tout encore. On est vraiment, nous, aux prémices de ces expériences-là. Alors, une question tout au fond. Qu'est-ce qu'on fait quand le blob, il a une mousse blanche ? Il a une mousse blanche ? Oui. Alors, est-ce que tu parles du mucus ou est-ce que tu parles de la zone blanche, des fois, qu'il y a autour du blob ? Comme du moisi. Oh là là, s'il a du... Alors, s'il y a des moisissures et qu'il ne te reste qu'un blob, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de prendre les tout petits morceaux où il n'y a pas de moisissures. Il va falloir vraiment s'en occuper très, très bien. En fait, les moisissures, elles viennent du flocon d'avoine et c'est souvent quand on a donné trop à manger. Parce que quand on met du flocon d'avoine sur une petite gélose comme ça, qui est très humide, et qu'on laisse ça à température ambiante, ben c'est aussi le paradis des champignons. Les champignons, ils poussent et ils vont pousser sur le blob. Donc, il faut que tu prennes des tout petits morceaux où ils n'ont pas de champignons, tu es sûr, et que tu le surveilles bien après les prochains jours. Et dès que tu vois un petit champignon, hop, tu coupes l'endroit où il y a du champignon. D'accord. Alors, on a des questions en ligne. Oui. Est-ce qu'il existe des champignons toxiques pour le blob ? Oui, il n'aime pas tous les champignons. Et bizarrement, on n'a pas les mêmes goûts que le blob en termes de champignons. Parce qu'une amanite phalloïde ne lui pose pas de problème. Mais certains champignons qui ne nous posent pas de problème, lui posent problème. Donc oui, il faut tester. Dans les classes, en fait, avec le projet Élève ton blob, les enfants ont fait beaucoup de cafétéria. Et donc, ils ont fait beaucoup de tests de nourriture. Et ils se sont aperçus, en effet, que certains champignons n'étaient pas du tout bons pour le blob. Une autre question du net. Est-ce que le blob fait du bruit ? On a eu sur YouTube. Alors, il faudrait énormément amplifier. Parce qu'il est possible, mais alors on ne l'entend pas avec l'oreille humaine. Il faudrait amplifier. Donc, je ne sais pas. Cette question, je ne répondrai pas, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire, en tout cas, pas du bruit qui est audible par l'humain. C'est un bon colloque, pas de problème de ce côté-là. Est-ce qu'il peut se mouiller ? Alors, le blob, on peut le mettre sous l'eau. Alors, il ne faut pas trop mettre beaucoup d'eau. Parce que voilà, il faut mettre qu'un tout petit peu pour qu'il ait la possibilité de remonter à la surface. C'est une expérience qui est très chouette à faire. Tu laisses ton blob comme ça, sur une petite gélose, et puis tu mets 5 mm d'eau comme ça.
Puis tu vas voir qu'il va remonter à la surface pour respirer. Parce que le blob, il peut rester sous l'eau à peu près 24 heures, ça ne lui pose pas de problème, mais en fait, il n'y a pas assez d'oxygène dans l'eau, et donc il remonte à la surface. Sinon, il faudrait mettre un bulleur dans l'eau, comme on fait pour les poissons, pour essayer d'oxygéner l'eau. Mais en réalité, il n'aime pas trop être sous l'eau. Mais il peut aussi ramper sur l'eau, le blob. Donc si on fait une expérience, par exemple, où on le met sur une petite île, et tout autour, on met de l'eau, tu vas voir qu'il va faire ses petits pseudopodes sur l'eau, et qu'il va s'échapper de l'île. Une question de la demoiselle. On va arriver au bout des heures de questions. Je suis désolée. Donc s'il y a vraiment des questions importantes, il faut les poser maintenant. Mademoiselle. Est-ce que le gel hydroalcoolique c'est toxique pour le blob ? Alors l'alcool, c'est une bonne question parce qu'on a fait l'expérience il n'y a pas longtemps. L'alcool n'est pas très bon pour le blob quand c'est très fort. Mais nous, on a réussi à rendre un blob tolérant à l'alcool. Alors au début, on regardait s'il pouvait développer des addictions, mais clairement pas. Mais par contre, on a réussi à rendre un blob tolérant à 14 degrés d'alcool, c'est-à-dire du vin. Mais il faut savoir que c'était dans sa nourriture, donc c'est comme s'il l'avait en intraveineuse, en non-stop. 14 degrés, c'est pas mal, c'est comme du vin. Donc on monte pas jusqu'au gel hydroalcoolique, qui doit être autour de 60-70, mais, mais voilà. Et l'alcool, il est toxique pour le blob quand c'est très concentré. Est-ce qu'il avait des comportements particuliers sous alcool? Alors pour la petite histoire, ça faisait un an qu'on avait ces blobs. Et à Noël, j'ai oublié de dire à mon étudiante Mathilde, qui m'avait remplacé une journée, que ces blobs-là devaient prendre de l'alcool et ne savait pas la concentration qu'il fallait utiliser. Elle ne l'avait jamais fait. Donc je lui dis, bon, c'est pas grave, pour ce jour-là, tant pis, tu ne leur mets pas d'alcool. De toute façon, l'expérience était terminée depuis un moment. Eh bien, ils sont restés toutes les vacances sans alcool et ils en sont morts. Je ne sais pas s'il y a une corrélation, parce que peut-être ils étaient arrivés en fin d'âge, mais depuis qu'ils n'ont plus d'alcool, ils sont morts. Mais il faudrait répéter l'expérience, ça dure un an, donc bon, voilà. Nous, on travaillait au début sur la tolérance, on les avait gardés parce qu'on trouvait ça intéressant et on voulait voir si... Mais on a quand même prélevé des échantillons tout au fur et à mesure, donc on pourra regarder un petit peu. Alors, on va prendre une dernière question. Allez, mademoiselle. Du coup, moi, je me demandais au niveau de l'anticipation pour les températures, comment ça s'était passé ? Comment c'est possible qu'il arrive à anticiper, du coup ? Alors, dans son article, Toshiaki Nakagaki, il propose en fait que c'est une synchronisation. Alors, le blob, il a plein de cycles à l'intérieur de sa cellule. Il a les cycles contractiles, donc les veines qui se contractent. Il a aussi, je ne vous l'ai pas dit, quand les noyaux se divisent, ils se divisent tous en même temps, toutes les 8 heures. Donc, en fait, c'est une cellule qui a plein de cycles oscillatoires. Et donc, c'est comme s'il avait plein de petits oscillateurs. Toutes les veines ne se contractent pas en même temps. C'est complètement désynchronisé. Et l'hypothèse de Toshi, c'est que, en fait, le blob se met au rythme de ces changements de température et il oscille, en fait. Il se cale sur ce rythme-là. Et quand la température, en fait, elle ne diminue pas, il est quand même toujours sur ce cycle. Parce que s'il continue à faire l'expérience, en fait, au bout de 2-3 cycles, le blob oublie et revient dans son cycle de base. Donc il pense que, et après, il a essayé, par exemple, 60 minutes, 30 minutes, 90 minutes, 120 minutes, et ça marche à chaque fois. Donc il pense vraiment qu'il se synchronise sur ce cycle de changement, et qu'au bout d'un moment, c'est comme si, vous savez, vous avez un pendule, et puis il est rythmé, et puis vous avez beau changer quelque chose, et puis ça reste quand même, le mouvement continue à se faire. Mais du coup, c'est possible de conditionner une cellule sans qu'elle ait un système cognitif qui fonctionne ? C'est ça ? Vous pouvez en effet, en tout cas, faire que cette cellule anticipe. Et il l'a refait en fait sur des petits ciliés qui sont aussi des protistes et ça marche aussi. Donc en fait, les organismes unicellulaires, ils n'ont pas de système nerveux, mais ils ne sont pas dénués complètement de capacité. Par exemple, Toshi a fait une expérience qui était super chouette. Il mettait des petits ciliés, donc c'est des petits organismes avec plein de petits cils qui flottent, qui sont dans l'eau. Il les mettait dans des petites piscines carrées ou des petites piscines triangulaires et après il enlevait la petite piscine qui était autour et elle se retrouvait dans une grande piscine. Et le cilier, par exemple, continue à nager en triangle. Que la piscine n'était plus là. Et donc, en fait, des fois, ces organismes insulaires rentrent dans des rythmes comme ça ou dans des mouvements et en fait, ils restent dans ce truc-là. En fait, c'est comme si on pouvait les entraîner, en effet. Mais et du coup, ils s'arrêtent au bout d'un moment ? Oui, pareil. Oui. Au bout d'un moment, le triangle arrête de le faire. Mais il le fait pendant suffisamment longtemps pour que ce soit remarquable. Bon, alors vous pouvez sortir de la case, par contre. Donc, merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup à tous. Merci aussi au public en ligne. Alors, l'expérience ne fait que commencer, donc vous avez un certain nombre à avoir déjà vos petits kits en main, les autres vous allez les recevoir par la poste, vous pouvez encore les retirer au Quai des Savoirs de 15h à 17h tous les jours pendant les vacances. Et puis, bonne expérience à tous et à très bientôt.